Audio Jungle. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés du Feu Rouge TV, je vous dis bonjour. C'est votre serviteur Eldi Kamanga. Nous sommes ici devant le palais du peuple en train d'assister à un événement qui est vraiment tellement important concernant la loi du 500$ pour des dots. C'est une loi qui a été proposée par l'honorable député Daniel Mbaou qui est venu aujourd'hui assister en ce moment pour marteler sur ça. En fait, aujourd'hui nous allons prendre le temps de lui interroger, lui poser des questions concernant cette loi du 500$ concernant les dots, parce qu'il a dit que cette loi ce sera dans deux maudits. 200$ pour ces de milliers ruraux et aussi 500$ pour ces de milliers urbains. Monsieur l'honorable Daniel Mbaou est enseigné maintenant même. Nous allons lui interroger, lui poser certaines questions concernant cette proposition et nous allons voir les détails. Raison pour laquelle je vous invite tous les abonnés du Feu Rouge TV, abonnez-vous massivement et aussi posez ce lien afin que tout le monde puisse avoir cette information concernant la proposition d'idote de 500$. Car il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de soutenir cette proposition. Il y a beaucoup de jeunes célibataires qui sont pour à concerner cette loi. Il y a beaucoup de personnes, même des motocyclistes, même des chauffeurs, même des étudiants soutiennent cette proposition de loi concernant cette loi, car ça va aider aussi certaines jeunes à avoir leur responsabilité en tant que de jeunes mariés, et aussi ça va soutenir beaucoup de jeunes puissent s'engager et aussi payer facilement la dot de 500$, parce que à l'époque la dot c'était dans 2500, 2000, qui a rendu la tâche un peu difficile à propos de d'autres jeunes. Mais avec cette proposition de loi de Daniel Mbaou concernant 500 et 200$, ça va aider beaucoup de jeunes. Suivez cette actualité avec plus de détails sur votre chaîne Feu Rouge TV et à travers votre journaliste Eldi Kamara. Suivons les détails. C'est lui le créateur, il est le vigneron. 500$ éternel. Si vous confessez vos péchés, le Seigneur est fidèle et vous pardonnez. Les Koyoka, Boye Yampolo Yesu Komi Fene, Sengeli Nayo, Oti Kamasu Nyonso, Ola Nassim Fela Yesu, Ola Telo Onde, le but passé qu'on a sait qu'on s'allie. Yango Bible Sango Loban Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un tient ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Elle ajoute encore, oh Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, tu es ta famille. Jésus est grand. Alléluia! Voilà, tout ça avec une personne, c'est un motocycliste. À quoi répondre des questions d'Abisso par rapport à la loi, il y a 500$, il y a DOT. Bonjour papa. Bonjour maître. Madame Alam. Okay, par rapport à la loi où Daniel Mbaou, l'honorable, a proposé pour 200$ et 500$, vous êtes d'accord pour nous ou bien vous êtes contre cette loi? La loi où il y a 500$, nous avons pour. Mais 200$ est aussi battu. Parce que 500$, quand même, nous avons tout le monde qui a raisonné bien. Parce que 500$, nous avons tout le monde qui a 500$. Parce que nous avons pèsé maman tabac, nous avons eu. Mais quand même, je suis allé à 500$, mais je suis allé à 200$. Parce que je suis allé à 200$. 500$, même, je suis allé à 200$. Oui, 200$, parce que c'est un million de personnes en souffrance. Parce que c'est trop de bassesse sur ces 200$. Est-ce que ça acceptable était vraiment? Oui, il y a un million de personnes en souffrance. Je suis allé à 200$. Il y a un million de souffrance. Après ça, nous avons personne qui n'a pas mouru. Mais il y a des gens qui ont été battus. Il faut aller pour aider ma maman pour moi. Parce que je n'ai pas de passe. Au moins, il y a des cicatrices. Je n'ai pas de passe. Mais papa, il y a des gens qui ont aidé. Et ça, c'est un passe. Merci beaucoup, monsieur.